C'est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Déjà, je tenais à m'excuser, voilà, pour la réaction que j'ai eue à mon premier direct. Voilà. Je suis venu un peu dans la colère, dire des choses un peu dans tous les sens, c'est normal. Parce que j'arrivais plus à respirer, mon téléphone sonnait tous les jours, j'avais des appels de tous les côtés, de tous les sens. Croyez-moi, c'était vraiment pas facile pour moi. Donc déjà, je tenais à m'excuser pour mon attitude et tout ce que j'ai pu dire de travers. Vous savez, dans ce que Moussito a dit, tout n'est pas vrai. Il y a une part de vérité en même temps aussi. Il y a une part d'excès belle. Donc, je tenais déjà à m'excuser de mon attitude. Ce direct, normalement, moi, je le fais, c'est pour m'adresser à Moussito. Je te remercie pour tout ce que tu as pu faire jusque-là, pour le combat que tu as mené, pour tous les défis que tu as pu relever. Parce qu'élever un enfant seul de nos jours, ce n'est pas facile. Je te remercie pour ça, pour l'éducation, pour la santé, pour la force que tu as pu faire aujourd'hui. Je te remercie. Je n'ai toujours pas été là, c'est vrai. Et pour ça, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Je ne suis pas en guerre contre toi. Je ne suis pas en guerre contre toi. Les choses ont changé. Et je vois que de ton côté aussi, tu as grandi. Mais que les douleurs et les haines s'apaisent. Qu'on essaie de trouver un consensus, qu'on essaie de trouver une solution pour le bien-être de l'enfant. C'est vrai, j'ai gaffé. Je n'étais pas là tous les jours. Mais quelquefois aussi, tu n'as pas rendu les choses faciles. Tu as plusieurs fois rejeté mes dépôts. Tu as plusieurs fois rejeté mes transferts d'argent que je faisais. Parce que tu avais toujours cette haine, cette rancœur envers moi. Mais aujourd'hui, on a grandi, Moussito. On a grandi. Il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on envoie de l'avant. Tu as réussi aujourd'hui, c'est bien. Je suis fier de ce que tu es devenu. Je suis fier de toi aujourd'hui. Mais de mon côté aussi, les choses n'ont pas été faciles. J'ai dû charbonner aussi. Ce n'était pas facile et tu le sais. Tu sais que je suis un battant. Aujourd'hui, je suis là. Dieu merci. Je n'ai pas fait de superbes études. Mais j'ai ce qu'il faut. Je ne manque de rien. Je ne me plains pas. Je vis bien. J'ai aussi envie de partager ça avec mon fils. J'ai aussi envie de partager tout ce que tu as pu lui donner. J'ai aussi envie de le faire voyager. J'ai aussi envie de me battre pour lui. J'ai aussi envie de lui donner mon amour. S'il te plaît, essaye de voir tout ça pour qu'on revienne sur les bonnes conditions. Tu as bloqué tous mes numéros, essaye de me débloquer pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour le bien-être de l'enfant. Je l'aime moi aussi. Je l'aime. Ok. C'est tout ce que je tenais à dire. Voilà, et j'espère que vous m'avez écouté. Et j'espère que toi, tu m'as écouté. Voilà. Donc, c'était un peu ça. J'espère que les choses vont se calmer. Qu'ensemble, on pourrait être assis et essayer de voir ce qu'il faut faire. D'accord. Ok.